Ladies and gentlemen, welcome to the Triple H Show. With your favorite host, me. Professional snowboarder, world traveler, big player, and much more. Tripoulette, you know the deal. The roulette will randomly pick our next adventure by choosing for your favorite gamblers one destination, one eco-friendly way of transportation, and last but not least, the guest. Time to get lucky. Nous y voilà au départ d'une nouvelle aventure triproulette à deux pas de chez moi, à Annecy au roster. C'est là que ce trip commence. Et ce trip est spécial parce qu'aujourd'hui, on vous dévoile la triproulette car tantantant. Citroën BX 94. Édition millésime, couleur champagne avec béquet. On a travaillé pendant de longs mois pour transformer cette voiture pour qu'elle fonctionne à l'huile de friture végétale usagée du roster. Oui, messieurs, dames, plus vous mangez de frites, plus nous irons rider loin avec cette voiture. C'est le concept. Et pour ça, on a comme prévu notre guest international en bouffage de frites, Mathieu Crépel. En photographe, Germain. Et derrière la caméra, Robin. C'est notre crew qui va relever le défi d'aller rider le plus au nord possible. Voilà, c'est une belle voiture, c'est un grand espace, mais malheureusement, l'huile de friture prend toute la place et on a quand même pas mal d'affaires à 4 pour les rider. Et donc là, on est en mission Tetris. Ça paraît pas fité quand même. T'es moins convaincu. Là, il reste un petit bout de plage arrière et le coffre de toit, quoi, c'est tout. Oui, il faut préciser qu'on est tous les deux très nuls en mécanique. Nul. On n'y connaît rien. Rien du tout. Mais j'ai confiance en cette voiture. Ça monte ou pas, là? Bon, bah, c'est qu'elle est au max, hein! Ciao! Ouais, fond de troisième, les gars, fond de troisième, là! Kilomètre 2, on réalise déjà qu'il y a beaucoup trop de poids alors qu'on a. On a rien. On a deux caleçons et que de l'huile. Mais là, disons qu'on est en wheeling permanent, en fait. Fond de 5, 90. On passe en 4. À la frontière. Aïe. Oh. Il y a une petite odeur à l'arrêt. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Oh, ça sent pas la frite, là. Si, si. Là, ça sent la frite. Bon, on sent là que 18, c'est bien. 18, c'est bien, non mais attendez. Tout le monde s'assoit. Ah mais que gros, Mathieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a perdu 10 cm hein, en un fessier quoi. La voiture s'est arrêtée en marche sur l'autoroute. On va juste analyser, la laisser en marche et voir ce que ça fait un peu, non? Faisons comme ça. Bon bah voilà. Non mais le milieu de l'Allemagne c'est très chouette aussi hein. C'est parce que t'as les feux ça. Ouais, nickel. Normalement on est pas mal. Jusque là on sait faire. Après on sait pas. Là on a déployé toutes nos compétences d'un coup. C'est là, il y a une frite qui passe clairement par là. Et on ralentit alors qu'on est sur du plat. Vous sentez là? Vous sentez qu'on avance plus? Là ça a calé là? Ouais. Premier souci mécanique, peut-être qu'on est déjà sur un filtre encrassé. Donc on procède au premier changement de filtre, sous conseil de notre mécano Brice.
Là pour l'instant on a consommé un tiers. On a fait 1000 km. Et après on a tous les bidons. En bourre nous voilà. Presque la traversée de l'Allemagne en moins de 24 heures. On est là les gars. Un pays de plus. Une victoire. Ah mais c'est... Ok, c'est lui qui s'est dévissé quoi. Oh là là, oh, c'est imbibé. Carnage. So you should try. Yeah, exactly. Danemark, Sissi, on l'a fait. Traversé. On y est. On est arrivé jusqu'au nord du Danemark. Le ferry nous attend, on est à l'océan. Il manque plus qu'un peu de neige. Never seen this. Yes. Yeah. Ok, deuxième jour, ça fait 48 heures qu'on est parti d'Annecy avec la triple de car. Et là on rencontre notre collègue Yon et on est parti pour notre première session de ride. C'est parti quoi. On est pas loin du premier objectif. Ce trip se déroule comme sur des roulettes. Et je pouvais la placer celle-là, je la coupe pas en montage. Ah, this is the shit. Et la tour de Pise. Grâce à votre consommation de frites, nous émettons 90% de moins de CO2 et nous réutilisons cette huile de frites. 1794. Les calculs ont parlé, messieurs dames. 5,75 litres au 100 pour aller jusqu'ici à Gausta. Voilà. We'll be right back.
grand merci à l'ami Yon de nous avoir hébergé, de nous avoir guidé sur ce premier stop. Donc voilà, on a choisi les premières montagnes les plus proches de la côte. Hein. Voilà, hein, on va pas se le cacher, on avait pris la facilité. Mais maintenant, il nous reste de l'huile et le road trip continue. On a des taux de voir pousser la VX, messieurs dames. Là, ça sent le cramé. Ils vont faire tout petit, ils vont partir en arrière dans la montée. Cassez-vous! Cassez-vous! Vas-y, casse-toi. On peut pas s'arrêter en montée, mec. Nous avons réussi et nous sommes maintenant à Folgefonna. Donc, on va tester ce glacier. D'un côté, on met les duvets de l'autre côté, on ferme, on installe les sangles, on met les planches. We'll be right back.
Et Mango, c'est pour le côté tropical. Vu les conditions dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, je pense que c'est tout à fait adéquat. Bon matin. Ah, c'est de l'huile. Brice, il a dit il faut faire les niveaux là. On n'est pas à l'abri de perdre une roue, les gars. Déjà, on a presque perdu un pneu là-bas. Un peu. On peut flinguer, moi, chérie. Oh putain. Eh ouais. Il m'avait prévenu, il m'a dit ouais, attention le pareil, ça peut être chaud. Mais de toute façon, tu t'en fous, c'est une BX. Pas dire antifreeze, ça veut pas dire. Liquide de refroidissement. Non. Du jaune ou du rouge? Tu te rappelles du litrage à peu près que t'avais rajouté? Non. Je vais pas prendre le bas de gamme parce que je l'aime, ma BX. Il a pris le bleu! On est arrivé jusqu'ici pour trouver la table parfaite. Tout ça pour un magnifique gaz. Qui sera? Un magnifique saut dans l'eau. Mouno. Ok. Oh. C'est que... Oh, ça va passe. Oh. Je t'ai cru assez vite. Notre dernier bidon de 20 litres. Waouh. Et il nous reste 20 litres. Mais on va au bout du monde là. Ah ouais. Ça se peut, on peut même revenir jusqu'au Danemark avec ça. Donc en gros, si on arrive à trouver une petite recharge à un moment, on est bien quoi. Ça te fait quoi de quitter cette tripolette car qui sent la chaussette de snowboard? Ça va te manquer. C'est un peu triste. Franchement, je suis un peu triste de vous abandonner. Très heureux de retrouver ma petite famille, mais un peu triste de vous quitter. Comme vous le voyez, le temps norvégien pleure mon départ aussi. Merci mon copain. Merci pour la voiture. Merci Rob. Bon, Mathieu nous a laissé, mais le road trip jusque au nord du nord continue. C'est l'heure de la glace là. Non, on va checker. On vient d'aller faire une balade pour aller visiter un glacier. Oh, là, on sait pas ce qui se passe. Il y a un sale bruit. C'est à la fois joli, c'est à la fois, c'est pas trop là qu'on a envie de tomber en panne, quoi. Non. Ah bon, on n'en sait rien. Ensuite, à une analyse. Tout fonctionne. On a quatre roues, ça roule, quel que soit le bruit.
il y a de grandes chances que le bruit qu'on pensait mécanique est simplement les sangles qui bougent. Pas fou. Écoutez le fond de première. Seconde. On est arrivé. Ce soir, on finit en beauté. Camping au-dessus des fjords en espérant avoir un peu de lumière. Et avant de boucler notre boucle. Donc on mange parce qu'on a... On a pris le minimum de bouffe tellement on est chargé. Il n'a pas l'air light. Ça, ça veut dire qu'on a pris quand même pas mal de bouffe. A tout à l'heure. Oh, ça va. Le plus au nord possible avec cette BX. C'est couché à minuit et là 4h30 du mat. Et quasiment pas fait nuit de toute la nuit. Il faudra amener cette BX avec 3000 km au sud de suspense. On rentre à la maison. Plus de 2543 km les gars. C'est parti. Tu peux le faire. On a déjà fait 1500 km et là, on s'autorise une petite pause tourisme avec la BX. Après un petit stop à Malmö pour aller voir les potes, maintenant c'est Copenhague. Et ça cruise vers le sud, retour à la maison. Il ne reste pas beaucoup là. Non. Et là on est au nord de l'Allemagne. Il faut passer chez McDonald's. Non, 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 nous c'est roster. Oh là là, We're doing a road trip with a car that works with used vegetable oils. Okay, no. Next. Dankeschön. Sorry, I thought. Okay. Okay, but it's not possible at our fuel station. You call me back, you say? I'm appelle, elle me dit one moment, please. Ciao. C'est ce qu'il m'a répondu. Va chez Lidl. Achète de l'huile. Presque. Bah voilà, on n'a pas le choix. Hein. C'est pas mal, hein? Bah ouais. C'est bien ça. Prends-y tout, prends-y tout. C'est tellement con. On y retourne. Il n'y a pas la promo. Il n'y a plus grand chose là. Normalement avec ça, on va jusqu'à Épinal. On est censé rencontrer Alexis. Il va normalement nous dépanner un peu d'huile pour rentrer jusqu'à la maison. Directement la source de kebab vosgien. Ça va la vie? Alors là, c'est là où j'ai appris à faire du poney, tu vois. Nous avons l'angoisse du matériel. On a toujours peur que la panne survienne soudainement comme ça.
Oh non, à 2 heures de l'arrivée là. Non, non, non. Elle va nous claquer entre les doigts là. Non, j'ai pas envie de rester à Dijon. Et là on a un petit souci du coup je t'appelle. Allez. Allez. Non, on est vraiment en train de la pousser jusqu'à Annecy là. Waouh. C'est génial les gars. C'est génial, elle a tenu. Elle nous a fait peur. Jusqu'au bout, elle nous a fait peur. Oui, télé. On a fait la boucle est bouclée. Retour au roster avec un accueil de tous les potes. Que dévotion. Et maintenant, gros burger et des frites pour fêter ça. Pour remplir le réservoir pour le prochain trip. Ladies and gentlemen, hope you enjoy the show. You want to be like me? Adopt my personal strategy. Collect memories, lose money.